Je partagerai ma perfection avec ce monde. Je vais t'ouvrir les yeux. Phénix avait survécu à la rage de Typhon. Pour l'instant.
C'est un défi ? En cas d'échec, il ne restera rien de toi. Phénix arpenta les archives, foulant des statues en miettes de héros déchus. Parce que rien ne vaut une bonne balade dans un temple bien inquiétant et tout en ruine. Phénix est une héroïne, Zeus. Ah, c'est comme ça qu'on appelle les humains qui meurent, je te signale. Eh oh ! Y a quelqu'un ? Montre-toi et viens te battre ! Je n'ai pas envie de me montrer. Oh, je viens de le faire. Oh, pourquoi je t'ai écouté? Une enfant? Je ne suis pas une enfant. Je suis Athéna. Athéna. Oh, la déesse de la sagesse. La prophétie. Une enfant persuadée. Mais oui, tout devient clair maintenant. Oh là là, oh, tu n'imagines pas à quel point j'avais hâte de te rencontrer. Mais pourquoi tu es si petite et si méchante? Tu le serais aussi si Typhon t'avait fait rétrécir et avait lancé une hydre à tes trousses. En entendant tes pas, j'ai cru que c'était ce monstre à face de serpent. Eh bien, je ne suis pas une hydre, mais une grande admiratrice. Et oh, j'ai tellement de questions à te poser. Tu as vraiment battu Arès lors de la guerre de Troie? Pardon? Ah oui, deux fois. Incroyable. Et tu as vraiment été juge au procès de... Désolée, tu t'appelles comment? Phénix. Oh, quand je pense que je suis devant la vraie Athéna, même si c'est une petite... Enfin, une petite déesse. Tu allais me traiter de petite fille, là? Eh bien, oui. Ça t'aurait coûté... très cher. J'ai compris. D'accord, je veux bien te croire, tu n'es pas une hydre. Mais ça veut donc dire qu'une hydre féroce est toujours à mes trousses. Où Typhon a-t-il caché ton essence? Si tu redevenais toi-même, cette hydre n'aurait aucune chance. Et on aurait fait un pas de plus vers la dépétrification de tout le monde. Mais voilà, c'est la première étape. Et s'avance la championne au cœur brave et à la tenue discutable. Attends, quoi? J'attendais ta venue. Seul un champion mortel peut emprunter le chemin des héros pour libérer le bâton du temps de Chronos. Le bâton du temps? Oui, il renferme le pouvoir du dieu du temps. Il nous permettra de vaincre Typhon et d'inverser le cours des ans pour annuler la pétrification. Sans ce bâton, nous sommes perdus.
Oh, waouh! Et tu as un plan pour le récupérer? Chronos l'a perdu dans le fleuve du temps. Il n'apparaîtra qu'au champion qui suivra le chemin. La prochaine étape est de tuer l'hydre. Pour ça, je peux t'aider. J'ai déjà fait des choses plus étranges sur cette île. Tant mieux! Alors c'est réglé. Sois ma championne et va tuer cette effrayante hydre. Ma foi, les choses vont vite. Il y a une minute, tu as essayé de m'écraser avec une statue. Oui, mais c'est ainsi que va le destin, championne. La première de tes tâches est de tuer l'hydre. À plus tard. Sacrée tâche. Aurais-tu un conseil plein de sagesse à me... Il faut que tu suives le chemin. C'est le destin, tout ça. J'ignorais que tu connaissais son existence. Ah ben je veux, mon neveu. De toute façon, les bâtons, le bricolage, c'est mon truc. J'ai appris ça, oui. Aux chutes, Phénix vit les redoutables têtes de pierre de l'hydre. Des visages aux dents puissantes, surgis d'un cauchemar. On voit que t'as pas vu Hera sans maquillage. Phénix approcha de l'énigme de l'hydre de Lerne. Une bestiole qui a prouvé à quel point Héraclès était stupide. Il a tranché les têtes avec l'épée magique d'Athéna, mais elles ont repoussé jusqu'à ce qu'il y en ait deux fois plus. Oui, enfin, jusqu'à ce que Iolaos, son allié, se serve d'une torche pour empêcher les têtes de repousser. C'était un mortel, tu sais.
C'est ainsi qu'une hydre féroce périt devant Phénix. Une victoire digne des grands héros. Ah, elle n'exagérait pas, Athéna. Une vraie cochonnerie à tête de serpent.
Eh bien, ça n'a pas été facile, mais cette hydre ne nous embêtera plus. Quelle est la prochaine étape? Ah oui, l'apprentie championne est censée aider le paria ailé. Le paria ailé? Oh, l'oiseau que j'ai sauvé! Mais je l'ai déjà fait! Oh, c'est formidable tout ça! Waouh! Gros enthousiasme pour avoir sauvé un oiseau! Bizarre ça! T'es bizarre, non? Mais bon, une championne bizarre reste une championne! Oui, enfin, je n'ai pas fait que sauver l'oiseau. Tu as réussi! Tu as tué l'hydre et aidé la bestiole avec les ailes. Bon, maintenant... Ah oui, la prochaine étape, c'est de devenir comme les grands héros. Et de recevoir une bénédiction. Merci, Athéna. Pas mal, non? Tu vas devenir une héroïne, comme Atalante, Achille, Ulysse et Héraclès. Et ainsi, le bâton sera à toi. D'accord. Et maintenant? C'est quoi déjà? Ah oui, voilà! Étudie le parcours des héros et marche sur leurs traces. Parfait. Et ensuite? Quoi ensuite? Un feu sans vent ne brûle pour personne. Oh, quelle sagesse! Tu veux dire que je dois me concentrer sur... Va faire quelque chose! Apprends les leçons des héros!